Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de New World. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur New World, toujours au même endroit, je sais même comment ça s'appelle cette ville-là, j'oublie tout le temps, ça s'appelle comment déjà? À Bièvre de Nerekaï, on se retrouve toujours à Bièvre de Nerekaï. On est en live, comme bien souvent, les liens sont dans la description comme d'habitude. Pour venir nous rejoindre en live, beaucoup de streams, en tout cas sur New World. Rappelez-vous, lors du dernier épisode, on avait avancé sur les petites expertises sur le gear score. Et vous voyez que ça a changé depuis la dernière fois, puisque je suis full légendaire maintenant. Voilà, donc je me répète un peu pour le live, parce qu'avec le live, on sort de deux donjons. En stream, juste avant. Nous, on va continuer à monter le gear score pour cet épisode. Et vous voyez, donc, en termes de gear score, je suis plutôt pas trop mal, full légendaire, et pas mal de petites choses. On va notamment craft 2-3 petites choses. Je vais vous montrer aussi, bien sûr, toutes les armes là, ici. Hop, on va pouvoir les prendre. Et donc, je vais vous montrer un petit peu l'avancée. Avec une lance légendaire aussi que j'ai eue, la lance légendaire, donc 601 de gear score pour la lance, donc c'est plutôt positif. L'arc, vous pouvez le voir, 594 en arc, donc on se rapproche des 600. J'ai pris un bâton, j'ai eu un bâton de vie, score d'équipement 600 aussi, avec une gemme, donc vraiment, je pense. Une bonne arme, la rapière aussi 600, le tromblon, où je suis à 594 donc pour mon petit tromblon, pas très loin non plus du 600, donc à voir si on peut loot ou pas du légendaire très rapidement. L'épée, c'est là où j'ai un peu de mal, 584, ça a du mal à monter, comme le grand tas de glace aussi, 582, ouais. C'est les deux où pour l'instant. C'est pas trop ça. Le bâton de feu, je suis à un petit point du 600, 599. C'est sur le dernier donjon là, on est monté à 599, un peu le seum en vrai. Donc bon, ma petite hachette 594, ça monte bien. Le mousquet, je suis à 600. Et le gantelet du néant, je suis à 600 aussi. Donc ça, c'est un arc aussi. Donc pas mal de bonnes petites choses hein, qui sont là. Le stuff commence à être pas mal du tout. Là, et je garde, j'ai dit, hop, ça. Le stuff commence à être vraiment pas mal. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, c'est pas encore fini, mais au moins, on se rapproche petit à petit du level max. Pour l'instant, enfin du level max en termes de leveling, parce qu'après on va devoir utiliser comment ça s'appelle? Les éclats sombres, voilà. Il faudra utiliser les éclats sombres pour remonter, pour faire grimper un peu toutes nos armes et tout ça, quand on sera full légendaire. Et ça sera la partie d'après. Ce que je vous propose, alors on a pas mal de choses à ouvrir, voilà. Vous voyez, comme d'habitude, je vous garde toutes les petites récompenses, tout ça de côté pour pouvoir vous les ouvrir. Alors tout ça, on va pas en avoir besoin, par contre, voilà. On va commencer par aller faire des orbes de gypse. On va aller se faire les petites orbes de gypse pour pouvoir craft bien une épée et un gantelet de glace, histoire de grimper, de monter un peu. Ah, je peux faire une orbe imprégnée, tiens. Une orbe imprégnée. Et du coup. Oh, c'est la première fois que je peux faire ça. Ok. Bah, go faire ça, du coup. Ah, c'est avec ça qu'on fait l'orbe imprégnée, du coup. Ok. Et du coup, ça me fait une orbe imprégnée. Ok. Donc, on va se faire. On a dit, je faisais quoi? L'épée. Where is l'épée? Bah, elle est où?
C'est pas la rapière. Bâton de vie, jambe, gantelet, coiffe, hachette, amulette, tromblon, tromblon en gypse, arc. Bah, je suis fou, je suis aveugle. Et... anneau, bouclier, lance. Ah bah épée. Hop. Moule d'épée. Hop. Ça, on va grimper un petit peu. On va se faire le gantelet de glace aussi. Donc on va se refaire une gypse, genre la gypse d'obsidienne par exemple. Voilà, pour se faire le petit gantelet de glace. Hop, il est là, le petit gantelet de glace. Et on va se faire... Alors on va continuer, on va faire le saphir. Ah, je peux en faire 8 ouais, avec ça, émeraude. L'améthyste. On va se faire un petit améthyste. On va se garder les saphirs pour un autre jour. Le petit rubis. Voilà, ça en fait deux en plus. Et on va se faire l'émeraude. Ouais, l'émeraude. Comme ça, on va pouvoir se faire le tromblon. On va se faire le tromblon. Voilà, on va se faire l'arc. Ça, si on peut avoir un bon arc, ça serait pas mal pour remplacer l'autre. Et on va se faire la hachette. La petite hachette. Voilà. Magnifique. Hop. Bon, maintenant que tout est craft, on va donc pouvoir déposer ça. On s'en fout, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Voilà. Hop. On va donc pouvoir ouvrir un petit peu tout ça, les amis. C'est le pack opening. Vidéo pack opening, les amis. On a pas mal de choses à ouvrir, du coup. On va commencer par ce qui est un peu moins important. L'étui d'oricalque. Bon, on sait ce que c'est, l'étui d'oricalque. Il est où? Là, c'est ça? Ouais. On va s'ouvrir les 15 étuis d'oricalque. C'est que de l'oricalque, les amis. Donc, bon, là... Hop. Mine de rien, ça va faire de la thune hein, là. Parce qu'on va avoir autant. Du coup, ça fait 61 lingots d'oricalque. Avec ça, on va pouvoir se craft des petites choses, les amis. Ça va être bien sympatoche. Pourquoi j'ai encore ça? C'est pas grave. On va s'ouvrir l'étui de soie imprégnée. Là. La petite soie imprégnée. Voilà, ça c'est pareil, on va pouvoir craft 2-3 trucs comme ça. Ensuite, l'étui de cuir imprégné. Il est là. Je pense qu'on va faire le tour après, mais on va pouvoir se craft 2-3 trucs. Donc ça, c'est tous les matériaux qu'on récupère en recyclant nos armures. Donc voilà, tannerie, donc 29 cuir imprégné, 15 soie imprégné. On va peut-être pouvoir se craft de l'armure. On verra ça après. L'étui de bois de fer. Donc, les planches de bois de fer, 4 et 3. Ça nous en fait 10. C'est pas mal du tout. On va s'ouvrir la petite cache de la déferlante. Donc ça, c'est en faisant la déferlante. L'autre fois, j'ai perdu, mais j'ai quand même eu une petite cache. Donc on va voir ce qu'il va y avoir dedans. Oh! Et plus 3 en gantelet de glace, du coup. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. C'est cool, ça. On a eu un bon tirage. Et du coup, on passe à 585 en gantelet de glace. Donc, c'est plutôt pas mal. On va s'ouvrir toutes les armures, là. Un petit peu avec la hachette. Plus 3 en hachette. Ok. L'arc. Oh, plus 2, c'est nickel. Le petit tromblon, plus 3, ça monte. Le gantelet de glace avec un plus 3, on se rapproche des 90. Et l'épée, plus 3 en épée aussi. C'est plutôt pas mal. Donc, bon, de toute façon, on va pas se les garder. Putain, tout arrive pareil. Ça, on va pouvoir se les recycler. Hop, juste l'arc, à mon avis, celui-là, il va être un peu mieux. 444... Ah non, 521. Ah ouais.
179, 177. Ah ouais, l'arc il est moins bien que celui que j'ai. Ok, bon bah hop. Et un petit grand tas de glace. Donc là on a des vêtements, ça, on s'en fout aussi. Ok, on va continuer à s'ouvrir les petits étuis de cuir runique. On sait à quoi ça ressemble. C'est du légendaire, ça peut servir. Voilà. Je vous en fais deux. Ça se revend cher aussi si jamais. Toile de phénix. C'est des matériaux aussi. Ensuite, on a. Ça, c'est l'Asmodéum. Donc, ça, on n'en a jamais eu de l'Asmodéum. Donc, c'est du légendaire. Stylé de ouf. Ça, c'est cool, ça. L'Asmodéum, on va le garder parce que. À mon avis. Qu'est-ce qu'on s'ouvre ensuite? Celle-ci. Alors, ça, c'est lu en dépeçant. C'est le premier coffre qu'on a en dépeçant. Donc, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Ok, donc corne et du brûle-pot. C'est pas fou, hein, mais bon. On va s'ouvrir les petits sacs. On sait que dedans il y a des grains de vie, tout ça, et des gypses potentiellement. Voilà, le gypse de diamant et des pièces avec des grains de la vie, des grains de l'eau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, le gypse de diamant, on va pouvoir comme ça après se recraft un gypse derrière. Alors, je sais plus c'est combien qu'on peut gagner, on va voir. On va pas tous les ouvrir parce que. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, hop, on s'arrête là parce qu'on gagne plus de gypse de diamant. Donc, ça, j'ouvrirai après. En fait, c'est tous les jours, ça se reset tous les jours par des gypse de diamant. Donc, c'est 6. Ok, c'est 6. On va s'ouvrir les deux petites caches. Alors, ça, je sais même pas où est-ce que je les ai eues, ces trucs-là. Enfin, bref. On va pouvoir s'ouvrir ça. Alors. Oh! Alors. C'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que c'est, mais. Enfin, je sais pas d'où. Spectral casque orageux. Ok. Ah, c'est du full force là pour le coup. Alors, dommage que je sois full légendaire, du coup. Bon. Mais je vais peut-être les revendre pour le coup, ça. On va voir. L'autre coffre. C'est pareil, c'est de la dextérité celui-là. Ok. C'est un stuff dextérité. Et puis ceux-là qu'on récupère donc sur les. Sur les mobs aussi. On va voir des éclats. À mon avis, on va pas monter en expertise. Oh, un petit pavois à 599. C'est pas mal ça. En vrai, si, je crois qu'on peut monter, mais il faut avoir vraiment de la chance. Hein. Faut vraiment avoir de la chance. Filtre d'essence à le tirer, ok. Gantelet du néant. Bon, on n'aura rien eu dans ces caisses-là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Full truc. Ah, mais en plus, là, il y a full gemme là-dessus. Sur le stuff dextérité. Et sur le stuff force, là. Et du coup, c'est lié, c'est ramassé. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on l'a ramassé, ça? Je sais pas. Autre son, ça va pas nous servir à grand-chose. On va tout recycler, en vrai. Si on peut récupérer des matériaux. En vrai, ça m'arrange. Là, c'est pareil. En vrai, il faudrait que je garde ça, parce que c'est un peu le seul que j'ai. Là. Pas de version ceci, à moins que une épée équipée et non rengainée. Ok. Oui, ça, je sais. Oh putain, j'ai recyclé. Ah non, c'est pas le. C'est pas le. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir recyclé le mauvais truc. Ok, donc le petit bouclier. Achète plus 3. Ah oui, du coup, on va avoir tous les petits trucs. Donc là, 96. En vrai, ça se rapproche, ça se rapproche. 97 en tromblon. On se rapproche des 600. Plus 6 en grand-tête de glace, hein, du coup, ouais. Avec ça, 88. Plus 3. En épée. Ah, c'est l'épée Gantelet de glace hein, qui.
Et sur mon point de maîtrise, c'est vrai. Ahmed, c'est sur l'arc, je crois. C'est sur l'arc. Si les trois flèches touchent la même cible, réduit de 50% ton recharge de rapide. Inflige 15% d'explosion terre aux ennemis tués au moins de 10 mètres. Les attaques de flèches lourdes. Les coups au but de flèches explosives infligent brûlure et 8% des dégâts de l'arme toutes les secondes pendant 10 secondes. Ça, c'est pas mal en vrai, hein. Ça c'est pas mal du tout, flèche enflammée. Inflige 20% de dégâts supplémentaires aux cibles dont la santé soit à 50%. Ok, lorsque vous visez, vous subissez 10% de dégâts. Lorsque vous visez, ok. Pleine santé. 8% de dégâts supplémentaires. On va prendre ça en vrai. Hein. On va prendre ça. Ok. Hop, bon, allons voir si on peut pas craft 2-3 trucs là. Tranquillou, et puis on s'arrêtera là. Petit épisode pour vous, YouTube. Mais c'est pour aussi se faire. Oh, bah, il y a des trucs. Ça, je vais pas les faire maintenant. Je vais pas les prendre maintenant parce que. Je verrai. En fonction de ce dont j'ai. Besoin. C'est où les trucs pour craft? Putain, je sais plus où ce que c'est. C'est là? Atelier de menuiserie. Non, c'est pas là. C'est les trucs d'équipement, je crois, non? Atelier. Ah, c'est peut-être là. Attends, j'y suis bientôt. En vrai, je pourrais me faire un. C'est mon famille, ok. Ah, faudrait que je vois en vrai. Dans la tempête, ouais. Je le farm de ouf. Ça va être là alors du coup. Non, c'est le truc de pierre ça. Ouais, ça c'est un truc de pierre. Mais c'est où le. Là c'est la forge? Bah. Bah si, c'est la forge alors. Non, c'est pas la forge qu'on peut. Ah si, mais il manque des lingots et tout. Ouais. Bon, faudrait que je regarde. Sinon, je vendrai. Je vendrai tout ça, mais je regarderai. Je regarderai de mon côté. Hop. Ça. Et ça. Voilà. Hop. Nickel. Nickel clone. Eh bien, on va. Il n'y a pas des trucs en recrutement là. Je parie trop regarder. Tout, 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 tout. Y a pas grand chose. Ah si, je sais. Faut qu'on rende la quête. C'est ça que je voulais faire. Avant de terminer l'épisode, on va aller rendre la quête de l'histoire. Et qui. Donc, du coup, cette quête, cette personne-là, ce donneur de quête, il fallait faire full cœur de la tempête. C'était full quête comme ça, il y en a eu 5 ou 6 quêtes comme ça, cœur de la tempête. Et là, a priori, je me suis renseigné parce que je voulais pas que ça soit trop répétitif pour vous, YouTube. Donc, je me suis renseigné et a priori, c'est la dernière quête qu'elle a à donner. Donc, c'est la dernière quête de l'histoire actuellement, a priori. Donc, on va vérifier ça tout de suite et on va parler à Mara Rosa. Alors, elle s'est détournée du père Russo qui l'aimait de tout son cœur. J'ai véritablement perdu ma tante. Je vais prier pour son âme. Donc, on gagne une caisse, une orbe de gibbs et pas mal de l'XP, on s'en fout, de la thune et de l'azote. On termine la quête. Alors. Ah, c'est pas fini. Donc, laissons à présent la terrible vérité. Ceux qui devaient protéger Isabella ont tous échoué, moi y compris. Je suis condamné à rester ici près de son âme et à revivre nos échecs. Alors elle servira d'exemple. Cela me semble juste. Ma tante Isabella mérite que son histoire soit entendue et comprise dans son intégralité. Nous devons rien omettre. Comment trouver d'autres souvenirs? À chaque fois que vous l'éliminerez, elle laissera un éclat de folie. Apportez-moi ces éclats et je vous récompenserai. Ah ok. Donc du coup c'est la quête répétable maintenant. Ok. Donc ça c'est plus la quête, c'est la quête répétable. Donc, conseiller, vaincre Isabella pour récupérer l'éclat de folie. Et voilà. Okay. Donc, c'est bien la fin. Parce que, en gros, toutes les quêtes que j'ai là, toutes les quêtes que j'ai là, ce sont toutes les quêtes répétables.
Quand vous regardez, en gros, ici, on va dans exploit. Donc, dans les quêtes, j'ai terminé 480 essentiels parce qu'en gros, c'est les quêtes des armes où les armes doivent être niveau 10 et ça débloque des quêtes pour améliorer l'arme. Donc, que je ne ferai pas, a priori. Je verrai, je verrai si vraiment j'ai la foi ou pas. Mais voilà, du coup, on a 8 donjons. On a donc 8 donjons. Et je pense qu'on a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il n'y a que 6 quêtes répétables. Il n'y en a même pas 8. Ok. C'est marrant. Marrant, marrant. Mais du coup, c'est bien des quêtes répétables. Voilà. Bon, je le referai forcément une fois. Après, cache orageuse, brave aventurier qui sont venus à bout des frères. Donc, je sais pas ce que ça donne la cache orageuse, donc je testerai une fois pour voir un peu ce que ça donne, ce que le coffre donne. Mais après, voilà, ça donne, enfin, tout ça après, ça donne des. Ça donne un coffre, ça donne même plus rien, ça donne juste de la réputation. Avarice et machin, c'est juste en les battant, ça redonne un coffre. Ça donne des gypses par contre. Donc ça peut être intéressant. Bernaclès, je sais pas si vous aurez déjà vu l'épisode, si vous aurez déjà vu l'épisode de Bernaclès ou pas. Parce que je sais pas dans quel ordre ça va sortir les vidéos. Parce que là, je tourne plein de vidéos, mais c'est pour le mois prochain. Parce que le mois prochain, je serai pas souvent là. Du coup, bon, bah, pour avoir du contenu. Pour qu'il y ait quand même du contenu sur YouTube, je tourne quelques vidéos d'avance. Hop, on va se re-TP à l'auberge et on s'arrêtera là pour cette petite vidéo opening. D'ailleurs, on a un coffre à ouvrir encore. On a le coffre à ouvrir là qu'on vient de recevoir pour terminer. Et on s'arrêtera là. On se retrouvera, je pense, la prochaine fois, on se retrouvera pour passer niveau max, niveau 600 partout ensemble. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce que on sait jamais vraiment à quel moment. Enfin bon, je vais tenter. Allez, on va ouvrir ce dernier coffre. Oh là là, oh ce coffre! Oh ce coffre! Oh la vache! Bon, bah moi je m'en sers pas, c'est la full intel concentration. Ok. Moi je m'en sers pas, donc c'est mais beau stuff, du beau stuff, franchement. C'est dommage que moi je m'en fous. Donc on va pouvoir recycler. Ah ce coffre. Ah donc du coup je pense qu'il faut que je fasse voir le coffre de l'orage et voir vraiment à quoi ça ressemble. Mais bon. Et re Hugo. Hop, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode, les amis. Je vais juste vous déposer mon orbe de gypse. On se retrouve donc très très vite pour le prochain épisode sur New World, sûrement pour le level max ensemble. On passera le level max sûrement ensemble. Je vais continuer de mon côté de faire des donjons. Et prochain épisode, on passera sûrement level 600 sur toutes les armes et avoir toutes les armes en légendaire. Ça sera dans le prochain épisode. Je vous dis à très très vite. Bye tout le monde!